5 octobre, le vendredi 5. Et malheureusement, parce que cette manifestation n'est pas allée à son terme, pour plusieurs raisons. Tout à l'heure, nous n'avons pas l'habitude de le faire, mais on va faire un petit exercice. Nous allons vous montrer certaines images qui vont durer 15-20 minutes. Et je me ferai le devoir de vous demander ce que vous auriez dû faire si vous étiez à la place des forces de sécurité. Donc, nous allons passer à l'écran. On va voir ce que le début de la manifestation du CST le vendredi. Pour ceux qui étaient sur les lieux, les premiers compte-rendus qui nous sont parvenus, il y avait un groupe de jeunes qui publiquement fumait du chambre indienne. Certains de vos confrères étaient là. Je leur demande pas de dire oui, mais ils peuvent quand même derrière nous témoigner. Là, la marche a démarré, ils sont au niveau du carrefour de Bec, c'est-à-dire le feu rouge de Bec. On a un barrage de policiers et de gendarmes. Ils font dos au boulevard, au Fort Boigny, côté ouest. Parce que les manifestants normaux doivent passer par l'avenue Pas de Souza, venir vers le château. Il y a des nos véhicules qui sont derrière le barrage d'arrêt des forces de sécurité. Bon, ça commence. Voilà. Combien je vous dis, nous avons inclus nos hommes de supporter les provocations, de supporter les voies de paix exercées souvent par les manifestants. C'est nous disons, c'est nos compatriotes, c'est la démocratie et il faut les observer. Lorsqu'on a une manifestation avec des responsables, ce ne sont pas des militants qui vont discuter avec les forces de l'ordre, c'est les responsables qui approchent le commandant de force pour discuter avec lui. Et là, on voit beaucoup de monde, chacun va dire ce qu'il pense aux policiers et aux gendarmes. Lorsque les militants sont bien sensibilisés, les militants sont bien formés politiquement, lorsqu'il y a un barrage comme ça, ils ne doivent pas chercher à franchir. Parce que vous franchissez, ça vous risquez de périr. Ça veut dire que certains sont déjà dans le dispositif des forces de sécurité. Je ne sais pas si vous l'embarquez. Monsieur Agarwan qui est venu discuter avec le commissaire et un officier de gendarmerie. Ce que nous avons compris, souvent quand il dit bon, moi je retourne, ça veut dire c'est le déclic. On a eu le primé le 22 avec le secours à Megavi. Lorsqu'il m'a dit au téléphone, bon, nous retournons pour dire à nos jeunes frères, allez attaquer les forces de sécurité. C'était dommage. Nous avons vu M. Z se repartir. Les choses vont aller très vite.
Il y a quand même certains qui essaient de faire un événement de sécurité. Ça commence. Il y a un bon citoyen qui enlève. On vient pour l'agresser. Pourquoi il enlève? Le commissaire est là. Facile. On l'insulte, mais il accepte. Il est formé pour ça. Des situations qui peuvent arriver. S'il n'y a pas d'agression, nos éléments peuvent rester avec eux des heures et des heures. Il faut essayer de les contenir, supporter leur caprice des heures et des heures. Ce sont déjà infiltrés. C'est sa voiture. Voilà. La belle dame qui transporte le bloc. Ils ont crevé les pneus du véhicule de la Jamaïque. Jusque là, on ne parle pas de grenade lacrymogène. Il y a encore la paix. On ne parle pas de grenade lacrymogène. Mais le véhicule est crevé. Le chauffeur est sorti. Il constate. Voilà. Il vient interpeller celui qui l'a fait. Et il profite de rendre compte à son chef. Plus de responsables, ils sont tous partis. Ils sont tous partis après avoir exposé nos jeunes frères. Et après, ils sont les premiers à y aller, même blessés, 30 blessés, 40 blessés. Voilà le pneu de mon pneu. C'est le pneu avant. Le pneu arrière également. Si vous vous dites combien de fois nous avons fait beaucoup de progrès, on a fait beaucoup de progrès. À une époque, ça ne peut pas se passer. Je ne vois pas un manifestant amener un bloc mettre devant une roue de véhicule de la mairie ou de police, on va l'observer. Et on leur dit, ne répondez pas à la provocation, gardez votre sang-froid, acceptez. Mais on accepte qu'il y a une certaine limite. Un autre véhicule est arrivé, il cherche à faire de même. Il arrive. Il a mis. Comme quoi, les trois véhicules dont les trains ont été crevés, ça ne suffit pas. Thank you.
c'est normal, ça doit maintenant changer de couleur. Que nos véhicules ont un seul pneu secours. Mais il y a un véhicule qui a eu deux pneus crevés. Il faut aller chercher un autre ailleurs. Le temps que ça met. Les dispositions. Le 15 septembre, je n'étais pas là.
on m'a appelé, il y a certains de vos confrères qui m'ont appelé. Ah, Légende, ça chemine ou se dirige vers Radio Légende. Tout à l'heure, nous avons demandé au directeur de la gendarmerie d'envoyer des éléments là-bas. Il n'est pas question de s'attaquer à quoi que ce soit. D'abord, il y a un premier problème au niveau d'Adéry que nous allons gérer. Il ne faut plus en créer d'autres. Et les éléments sont restés là-bas toute la nuit. Ils disent. Et leur retrait, c'est avec le consentement des responsables de la radio. Donc, ça peut arriver. Aujourd'hui, les gens vous envoient des messages menaçants. Les gens vous appellent, ils vous insultent. Si vraiment vous avez peur, posez le problème aux institutions qui sont chargées de la sécurité publique. Elles feront ce qu'elles peuvent pour vous mettre en sécurité. Encore une fois, on peut prendre les dispositions. Et je ne peux pas vous dire que je fais la sécurité à 0%. C'est-à-dire que à 100%, vous pouvez aller dormir. Et il y a eu à dire ici qu'on a beau prendre les dispositions, mais il y a des choses qui peuvent nous échapper. Comme ça échappe à des pays plus développés que nous. Mais lorsque vous avez... Vous recevez des menaces. Vous avez un peu de crainte, vous avez un peu peur de quoi que ce soit. Faites-les savoir. Le directeur de la police est là, le colonel chargé des opérations de la gendarmerie est là. Nous-mêmes, vous nous appelez. Pensez pas que lorsqu'on attend, il y a tel qui est agressé, nous sommes contents. Le camarade, votre confrère qui s'est, il dit, sincèrement, ce qu'on a vu, on l'a vu par terre. Et les échanges entre certains de nos confrères et le commissaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne le sait. Est-ce que c'est un coup de bâton? Est-ce que c'est un coup de pied? Il est tombé seul? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Il sait que votre travail est pénible. Et nous instruisons nos hommes de tout faire pour vous éviter. Quand bien même j'ai vu un blouson au début, parmi ceux qui cherchaient à foncer le barrage. Est-ce que c'est un vrai journaliste ou c'est quelqu'un qui a mis ça pour pouvoir passer? C'est un point de grosse. Il dit le Togo est un bien indivisible. Avant le 15 septembre, le CSC a fait plusieurs marches à partir d'Alévi. Il n'y a pas eu d'incident. Il n'y a pas eu d'incident. Avant les incidents de Kara, le CSC ou le FRAC a eu à faire des manifestations à Kara, il n'y a pas eu d'incident. Nous allons tous chercher des voies et moyens pourquoi c'est arrivé. Et faire en sorte que ça n'arrive plus. Donc il n'y a aucun endroit du Togo qui est interdit à qui que ce soit. Mais lorsqu'il y a un petit problème, cherchons à régler le problème avant d'ouvrir la vanne. Si on n'arrive pas à régler, on ne résout pas le problème et on continue. Mais nous irons le droit au but. On va aller casser la tête, ce n'est pas normal. Donc rassurez-vous, lorsque nous allons boucler l'enquête d'Adéry, d'ici peu, le CSC peut commencer sa marche à Adéry. Et nous allons les accompagner. On les accompagne. Et il y a, lorsque nous disons, donnez-nous le temps et les gens disent non. Nous allons faire. Vous voulez qu'on laisse. On ne peut pas laisser faire. Je vous dis, s'il y a un danger, n'allez pas. Dites-moi, je vais y aller. Et quand ça va vous arriver, c'est je suis responsable. Donc, il nous appartient de prendre les dispositions pour vous empêcher d'aller vers le danger.